Hey, salut tout le monde, c'est Arkoun. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3 et le mode zombie. Alors je vais vous montrer comment avoir le mastodonte à la manche 2. Donc d'abord pour commencer, on va d'abord se transformer en bête. Comme ceci. Ouvrir ça. Bon, c'est juste pour bien commencer, donc prenez l'habitude de faire ça quand vous commencez le mode zombie. Je vais revenir à la normale. Alors le principe, c'est de faire le plus de points possible dès le début pour pouvoir ouvrir les portes. Donc à la première manche, vous allez devoir mettre 3 balles dans le pied et un coup de couteau. Ce qui fait 30 points plus 130 pour le coup de couteau. Donc 160 points à chaque fois que vous tuerez un zombie. Pour commencer, en tout cas, c'est très utile. Par contre, faites attention parce que ceux qui sont derrière peuvent aussi se manger des balles. Donc, si vous voulez en garder un en vie, essayez de pas trop les amocher. Alors, on continue. Donc, voilà, je garde un zombie pour pas que la manche passe. Et je vais aller ouvrir cette porte-là, ici. Ah oui, c'est vrai, les fumigateurs. Donc, les fumigateurs, vous avez trois endroits. Vous en avez un ici. S'il n'est pas, il est ici. Et si vous le trouvez pas là, il est juste ici. Allez, on continue. Donc là on arrive dans cette deuxième zone. Alors vous avez peut-être remarqué ces petites bouteilles en fait cassées avec une certaine couleur. Donc ces couleurs en fait vont vous indiquer où se trouve le masto et les différents atouts. Donc regardez ici, la bouteille fait de la fumée rouge, donc le masto est forcément dans cette zone. Donc bon, là j'ai pas assez de points pour continuer. Donc je vais devoir passer la manche. Alors. Ok, voilà pour cette manche. Donc là, on est à la manche 2. On va laisser un zombie en vie. Et comme tout à l'heure, la lumière rouge de ce côté. Donc on va devoir aller de ce côté pour trouver le mastodonte. Donc on va venir ouvrir ce. Enfin, on va venir allumer ce petit compteur électrique. Alors je vais me transformer en bête. Donc voilà, c'est fait. Oh merde, attention. Voilà, je vais venir. Merde. Voilà. Hop, j'ai activé. Ensuite, très rapidement, je vais monter et le masto allumer ça. Et le masto est juste là. Voilà pour le premier emplacement du masto. Suivez bien la vidéo, je vais vous montrer les deux autres emplacements chacun à la suite.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Au pire des cas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt. Ciao.